Eh bien salut les amis, c'est Kermado et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yuka Watch Weeble Wobble. Dans cet épisode, enfin c'est toujours le Scramble Battle, mais je vais pas vous la faire, hein, on a déjà fait une vidéo. Donc on va plutôt continuer le Sanctuaire Divin. Je vais vous montrer un truc avant. Enfin plusieurs trucs en fait, déjà regardez. Donc au niveau des pièces, j'ai pas mal de pièces. Encore une fois, je les ai pas comptées. Je dois en avoir une trentaine. Je vais essayer d'en avoir plus parce que j'aimerais bien que le prochain épisode de Yuka Watch Weeble Wobble ce soit un épisode du Bingo Kai. Si c'est pas le prochain, ce sera le prochain prochain. Donc voilà, en tout cas, très bientôt, vous aurez un épisode du Bingo Kai sur la chaîne. Donc avec ces pièces-là, hein, pas un épisode du Bingo Kai en mode les Y-Coins, mais avec ces pièces-là. Parce que pour le moment, je peux pas remettre de l'argent dans le jeu, j'en ai déjà assez mis. Alors, j'ai changé mon équipe aussi. D'habitude, j'avais toujours Scaramouche dedans. Et là, cette fois, j'ai mis Siro, parce que, bah... Vous étiez pas mal dans les commentaires en fait à me dire Kirbendo Scaramouche il sert à rien en fait, il te donne juste beaucoup d'XP mais sinon il sert à rien. Tu devrais plutôt mettre Siro parce que Siro il te permet de faire plus de dégâts. Donc je me suis dit allez, on va essayer comme ça. Il y a un autre truc, vous êtes aussi beaucoup dans les commentaires à m'avoir dit Kirbendo, il va ouvrir le médaillium, ça fait longtemps que t'avais dit et que tu l'as toujours pas fait. Alors j'ai ouvert la page de Kamayol. Voilà, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà commencé à jouer avec lui, il est cool parce qu'il booste le score. Mais il y a une autre page que j'ai pas ouverte et c'est celle-là, voilà. Donc, vous êtes prêts? Moi je sais ce que c'est. Hein. Ouais, après Shogunian, je sais exactement ce que c'est pas bien compliqué. Donc les amis, 3, 2, 1, top! Et voilà, et là on va avoir un Yokai avec lequel je vais certainement pas jouer dans cette vidéo, hein, vu qu'il sera niveau 1. Mais je finirai bien par jouer avec lui, et donc voilà, Komashula! Je suis Komashura, on est amis maintenant. Eh bien oui, je le sais Komashura, merci à toi. Et donc voilà, Komashura rejoint mon équipe, c'est cool ça, c'est un mystérieux en plus. Ça va parce que les mystérieux, j'ai pas des super yokai dedans, enfin j'ai quand même Kyubir en SS. Mais bon, c'est tout. Je voulais voir un autre truc, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je voulais vous montrer mes nouveaux yokai. Donc allons voir ça, parce que regardez, on va faire tous les yokai par date. Voilà, donc j'ai Komashura et j'ai eu 4 nouveaux Jibanyan fruits. J'ai eu Oranyan, Melonyan, Vininyan et Pastenyan, puis aussi Maranyan, parce qu'en fait, j'ai essayé de devenir ami avec tous les yokai fruits, parce qu'on pouvait en fait, ils étaient là durant la Scramble Battle. Il m'en manque un en fait, il y a un truc qui est bizarre, mais je vais vous montrer ça. Attendez, on peut pas faire normal. Non, faut aller dans le médaillium, donc je vais aller dans le médaillium. Le médaillium est ici. Parce que je vais vous montrer la page des minions. Là il y a un truc qui m'intrigue, peut-être que vous en savez plus. Si c'est le cas, il y a dites-le dans les commentaires. Attendez, je vais vous poser la question. Là j'y vais, c'est tout. Voilà, donc là il y a tous les minions. Donc déjà là j'ai tous les Jibanyan de pierres précieuses. Ça c'est cool, ensuite là il m'en manque un. Je sais pas qui c'est mais je m'en moque un peu. Voyons voir, voilà, alors écoutez. Là on a Vininyan, Pastenyan, Kiwinyan, Maranyan, Melonyan, Oranyan. Donc on a tous les Jibanyan fruits, non? Pourquoi en plein milieu il y a un yokai de rang C que je n'ai pas? Il y en a que 6 des Jibanyan fruits, on est d'accord? Il me semble que à l'école, là, dans ma vidéo Yuka Watch 2, il y en avait que 6, oui. Donc comment ça se fait que là il y a tous les Jibanyan fruits, j'ai les 6, et là, en plein milieu, parce que j'ai le 4036, 4035, 30, 31, 32, 33. Et il y a le 4034 en plein milieu qui a un rancé que j'ai pas. C'est bizarre. Est-ce que c'est un Jibanyan fruit? J'en sais rien. J'aurais tendance à dire que oui, mais non, parce que je les ai déjà tous. Bon, j'en sais rien, c'est pas grave les amis. Nous maintenant, on va directement partir au Sanctuaire Divin. Donc, non, pas la map événement. Oui, j'étais dans l'équipe de Maranyan cette fois-ci. Et donc, allez, c'est parti, Paradis Divin numéro 2. Donc en fait, il nous restera plus que 2 maps après. Hein. Donc on arrive vraiment là, près de la fin du jeu. On y arrive, on s'en rapproche. Donc voyons voir si j'arrive à faire des super scores avec Siro. Peut-être que je devrais mettre sinon Captain, enfin le coach Antonique, on verra. Ce coach Anthony qui booste le score en fait. Et si on commence déjà avec ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, moi j'ai aussi envie de faire ça, c'est très important. Ok. Alors, donc oui, moi pas. Oh, mince, je vais pas faire ça, tant pis, c'est pas grave. Bah, c'est un petit peu grave, mais c'est trop tard. Donc, moi je continue tranquillement la Scramble, mais je dois vous avouer un truc, les amis, je joue beaucoup moins à la Scramble Battle que je jouais avant. Ça m'a un petit peu lassé. C'est pas le jeu Yuka Watch Weeble Wobble qui m'a lassé, c'est juste les Scramble Battle en fait, c'est un petit peu toujours la même chose, et donc ça a fini par m'énerver un petit peu. Donc là, je suis désolé, mais cette Scramble Battle, je m'y attelle pas trop, on va dire.
Voilà, là on a un boost d'attaque. Donc on va y aller avec démophage. Oh super, je veux déjà avoir rechargé Slurpan. Ça, ça tombe bien. Allez-y. Parfait. Ensuite Shogunian, on peut l'avoir? Je suis pas sûr. Si on peut. On peut. Voilà, bien. En fait, j'étais pas sûr de pouvoir l'avoir du premier coup. Effectivement, on pouvait pas l'avoir du premier coup. Ok, parfait. Oh là là là. Oh mon dieu. Vous êtes sérieux? Il y a encore un... Oh là 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 là, ça va faire mal, là, ça va faire mal. Surtout que j'ai Sirou qui est toujours actif, donc... Ouh là 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 là, les amis. Je dépasse le million, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je vais faire très, très mal. Oh là 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 là. Oh là... Non, 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 non. Je voulais réutiliser ce Guignan, mais non. 1 100 000. Premier combat, et je fais 1 100 000 points. Alors là, les quelques-uns d'entre vous qui m'ont suggéré dans les commentaires de remplacer Scarmouche par Sirou, enfin Scarnage par Sirou, vous êtes, je vous aime, parce que c'est parfait. Là, je fais un score de dingue. Bon, je sais qu'il y a moyen que je fasse des meilleurs scores, hein, bien entendu, je vois toutes vos techniques dans les commentaires pour faire de meilleurs scores. C'est juste que là, j'ai pas envie de galérer non plus contre le, bah, dans les combats, donc je suis rassuré en fait si j'ai une équipe de vaillants de niveau 50. Mais je sais qu'il y a plein d'autres techniques d'avoir du bon score. Donc merci à tous pour vos conseils dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, si vous passez là dans cette vidéo et que vous aussi vous jouez à Weeble Wobble, et que bah voilà, vous jouez à Weeble Wobble de manière normale, moi je vous conseille de lire les commentaires de mes vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait dans les commentaires qui disent des astuces ultra intéressantes. Et donc moi je vous conseille vraiment de les lire tout simplement les commentaires, parce que il y a vraiment des trucs très intéressants. Il y a certains d'entre vous qui sont vraiment chauds sur Weeble Wobble, qui ont vraiment des tactiques de dingue. Et donc moi je vous conseille vraiment de lire les commentaires, parce que vous pourriez ça pourrait vous aider grandement quoi. Allez, vas-y. Je vais détruire lui là. Super, c'est ce que je voulais. Ensuite, toi on t'a grandi. Est-ce que... Ah non, ça va pas suffire la Slurpan. Mince. Ah si, ça suffit. Eh bien c'est parti. Encore une fois les amis. Non mais là on est chaud hein. On est chaud là aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais on va faire des scores de dingue. Oh là 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 là. Et maintenant on a en plus de ça Shogunian de charger. Attendez, on commence par ça et ensuite on va utiliser Shogunian. Oh, Shogunian, il va même pas avoir assez de trucs à l'écran pour le détruire en fait. Ah si, c'est bon. Oh, on est déjà à 482. Oh là 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 là. Et regardez le nombre de balles bonus que je fais. Oh, 1 338 000 les amis. Mais... Oh, c'est dingue. Je suis en train d'exploser mes scores là. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un vaillant de rang S ou de rang A qui ait comme pouvoir de booster le score. Parce que là, Siro, il est cool, il booste l'attaque. Mais moi, ce que je voudrais, c'est surtout booster le score. Si j'avais un vaillant de rang S ou A qui booste le score, ce serait parfait. J'ai déjà un vaillant qui booste le score, hein. Je le sais, j'en ai un, c'est Coach Antonique, mais il est rang C. Voilà, c'est moins bien quand même. Mais c'est déjà pas mal. Bon, allez, allons-y, continuons. On va commencer ouais, par essayer de charger Siro tranquillement. Ok, parfait. Là, on va aussi faire Slurpan. C'est parfait. Ça se passe super bien là. C'est parti, se passe trop bien, je n'en reviens pas. Alors, Sirou là, on va continuer. Sirou, il faut combien là? Ah oui, il y a quelqu'un dans les commentaires de la dernière vidéo qui m'a dit: Kirbendo, comment tu connais la taille des Weebwob? Regardez, quand je forme un Weebwob, il y a marqué size 5. Regardez, là, je vais en faire un. Size 3, ça veut dire taille 3. Et c'est pareil en français, hein, vous l'avez aussi le message. Je vous le dis comme ça parce que je sais que moi aussi, à un moment, je parlais avec avec Yuyu. Yuyu me disait... attendez, je vais faire un game over là. Non. Ok, super. Donc avec Yuyu, qui est un expert de Weeble Wobble. Et il me disait... ouais, tu sais, il suffit de faire un Weebwob de telle taille pour pouvoir avoir... Enfin, pour pouvoir changer la ultime, donc de taille 13. Et je disais, quoi? Mais comment tu fais pour savoir que les Weebwobs sont de taille 13? Et donc en fait, il m'a dit, mais t'es sérieux? C'est marqué. C'est marqué quand tu lis les Weebwobs, c'est marqué. Et là, je me suis senti bête. Moi aussi, j'avais jamais remarqué. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais remarqué que c'était marqué. Mais en fait, oui, c'est inscrit à chaque fois. Donc voilà, faut juste faire un petit peu attention. Alors là, par contre, je vais pas faire un super score. Je ferai pas 100 000, je crois. Je ferai pas, plutôt. Ouais, 800 000, c'est quand même pas mal, hein, pour un score plus mauvais... moyen, c'est quand même pas mal de faire 800 000, hein, les amis.
Ok, un peu d'esprit, c'est cool. En plus, on gagne pas mal de pièces, donc ça, c'est cool. On va aller où? Ah bah, on va aller là, ok. Je pensais qu'on aurait le choix entre les deux niveaux. En fait, non. Ah, je suis pas devenu ami avec un Justin encore. J'ai pas... Comme je suis en plein dans la Scramble Battle, j'ai pas essayé de devenir ami avec un Justin pour le moment. Mais j'essaierai, vous en faites pas, les amis. Mon but, c'est quand même d'essayer de compléter au maximum le médaillon. Et donc, les yokai comme un Justin, je vais essayer de devenir ami avec eux. C'est juste que pour le moment, là, j'ai un peu mis ça de côté pour me concentrer sur la Scramble et d'autres événements. Ok, vas-y, size 8. Et là, c'est bon, on est size 13, c'est parfait. Ah, oh là là, on est size 15. Oh mon dieu. Mais attendez, là, c'est parfait. Oh là 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 là, le nombre de Shogunian qui sont arrivés là. C'est parfait. Ok, vas-y. Là, normalement, on va pouvoir utiliser Shogunian. Attendez, on va d'abord utiliser ça. Oh là là, on va utiliser Shogunian et on pourra réutiliser Shogunian derrière, les amis. C'est chaud, ça. C'est chaud. C'est dommage qu'on n'ait pas eu du nouveau Slurpant. Parce que là, taille 10, ça suffira pas, je crois. C'est cool, ça l'a pas détruit, donc je vais pouvoir peut-être... Mince, ça suffit pas. C'est quand même pas mal, 300 000. Ouais. Ok, on finit à 741 000, c'est pas mal. Mais je redeviens ami avec... Blablara, là. Je comprends pas, j'en veux pas de Blablara. Pourquoi vous me la donnez à chaque fois? Bon, c'est pas grave. Ah oui, vous savez que maintenant, je crois que c'est aussi le cas dans la version française de Yo-Kawa Shubble Wobble. Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est dans le cas, en fait je sais que c'est le cas dans la version américaine, mais je crois que c'est aussi le cas dans la version japonaise. Vous saviez, avant je faisais que dire, il faut que je devienne ami avec Ibourling, il faut que je devienne ami avec lui plein de fois, comme ça il apparaîtra plus au Bingo Kai. Parce qu'en fait, effectivement, à une époque, quand on devenait ami, quand un yokai, son niveau d'âme ultime arrivait, eh bien, niveau 8 en fait, on ne pouvait plus l'avoir au Bingo, niveau 7 je crois. Et bah ce yokai ne pouvait plus apparaître au Bingo Kai. Il pouvait plus du tout, il pouvait plus tomber. Donc ça faisait qu'au final, si on arrivait à amener la plupart de nos yokai niveau 8, et bah on pouvait plus du tout les avoir au Bingo Kai. Donc ça faisait que ça nous donnait plus de chances d'avoir des meilleurs yokai en fait. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas du tout. Ils ont changé la mécanique, ça fait que maintenant, si on a un yokai qui a déjà son âme ultime au niveau max et qu'on tombe sur lui au Bingo Kai, en fait, ce qui se passe tout bêtement, et bah c'est qu'en fait, au lieu d'avoir ce yokai, parce qu'on peut plus l'avoir, hein, ça vous le savez, on récupère en fait un livre d'âme ultime. Et donc si le yokai en question, qui était déjà niveau 7 d'âme ultime, et bien c'est un yokai de rang S ou SS, on a un secret d'âme ultime. Si jamais ce yokai, il était rang inférieur, donc rang A ou B, on a un âme ultime moyen. Si, par contre, il était rang d'âme ultime C, D, C ou E, et ben là, en fait, tout ce qui nous arrive, c'est qu'on a un tout petit secret d'âme ultime. Donc certains d'entre vous, dans les commentaires, sont venus me dire dans les commentaires et dans les messages privés sur Twitter, etc., que c'était nul. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu nul, mais c'est pas si nul que ça. Parce que Ibourling, par exemple, on s'en moque d'Ibourling. J'en ai rien à faire d'Ibourling, je pense que vous aussi. C'est un yokai nul qui a une âme ultime nulle. Donc maintenant que mon Ibourling, il est niveau 7 d'âme ultime, je peux plus tomber dessus. Et donc maintenant, je peux plus tomber sur un autre yokai rare à la place, mais à la place quand même, je peux avoir un petit secret d'âme. Et un petit secret d'âme, c'est pas mal, parce que le petit secret d'âme, au final, je le donne à qui je veux. Et donc comme je donne à qui je veux, et ben ça fait que je peux décider de le donner à un yokai qui par exemple ne tombe pas au Bingo Kai. Donc non, c'est pas mal. C'est vrai que la mécanique d'avant, de directement faire qu'ils peuvent plus tomber et on peut avoir des yokai plus rares à la place, c'était bien. C'était bien, mais c'était pété en fait. Mais c'était vraiment bien, hein, forcément, c'était la meilleure chose pour nous. Mais c'était pas la meilleure chose pour les développeurs. Et donc en fait, là, la nouvelle mécanique qu'ils ont, ouais, c'est un petit peu dommage. Mais finalement, c'est pas plus mal. C'est comme ça, ça fait que on peut devenir ami avec... on peut renforcer l'âme ultime de certains yokai plus facilement. Donc c'est cool. Ok, allons-y. Pourquoi il m'a envoyé 3 sirops, quoi? J'en ai rien à faire d'avoir 3 sirops, là. C'est nul, ça. C'est complètement nul. Ok, si vous voulez. Alors là, normalement... Non, je pensais le ravoir, mais... Oh là 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 là. Là, ça va être nul. Je vais faire un score nul, les amis. Ah, c'est bon. On est peut-être sauvés, là. En fait, ce qui est nul, c'est que j'ai pas réussi à avoir Shogunian. Shogunian, c'est quand même le héros de l'âme ultime, quoi. Il fait tellement de dégâts avec son âme ultime. C'est lui dont il faut que je charge l'âme ultime à chaque fois.
Bon, très bien. Quand on fait 700 000, par curiosité, on gagne 339 Y-Coin. Ok, pas mal, pas mal. On arrive au niveau 7. Attendez, il y a combien de niveaux, là? Ah oui, c'est vrai, c'est les résultats de la Scramble Battle. J'étais l'équipe rouge, les amis. Voyons voir. Je suis mis combien? Deuxième. Ok, ok. C'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal. Donc, je viens de gagner, ok, une Mystery Coin aussi, parce que j'étais quand même pas ultra bien classé. Ah, c'est dommage. Prochaine équipe, je sais pas ce que je vais prendre. Je verrai. Donc, allez, récupérons tous nos trucs. Super. Donc, attendez, il y a combien de niveaux? Attendez, mais il y en a beaucoup. Il y a 19 niveaux? Mais on va pas y arriver dans cette vidéo, en fait. Ça va durer trop de temps. Attendez, on va se dépêcher, là. Mais on est déjà bien avancé dans le temps. Et il y a jamais eu 19 niveaux dans un truc des Limbes Éternelles. C'est trop long. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va avancer tranquillement, mais sûrement. Donc là, ah oui, c'est vrai, les sirops, il les faut. On va essayer aussi Slurpant. Oui. Un petit peu mieux le taille 12, mais bon, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Ok, sirop, il va se charger, là. Après, sirop, j'ai un peu de mal. Ça, c'est bon, ça va se charger, ça, c'est cool. Les sirops, venez ici. Là, ça va être sûr qu'on va les charger, là, avec tout ça. Si j'arrive pas à les charger, je comprends pas. Ok, très bien, c'est bon. On peut charger aussi Shogunian, ça c'est cool. Je pense qu'on va réussir à charger Shogunian, ça c'est bien. Ça c'est très bien. On va aussi réussir à charger... Ah non, on charge même pas lui. Ah c'est chaud je pensais. Ah avec le petit qui va détruire, là je pense que ça va être bon. Il a pas été détruit mais ça a été bon quand même. Donc tant mieux les amis. Parfait. Là. Ah mince. Ah, j'ai plus de chance. Au début j'avais beaucoup de chance parce que j'arrivais à avoir des slurpons à chaque fois. Mais là j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Bon, c'est pas. J'ai fait mon plus mauvais score de cette vidéo, 687 000. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui jouent à Weeble Wobble qui doivent se dire, si j'avais la chance, quand je fais un score nul, de faire 687 000, hein. Bah oui, effectivement. je ne vais pas m'en plaindre. Allez, Contrarioni, Suspicioni, pourquoi pas. Encore les frères italiens, là. Je sais pas s'ils sont vraiment d'origine italienne, mais en tout cas, ils ont tous des noms qui sonnent italiens. Comme je dis à chaque fois, il manquerait plus qu'il y en ait un qui s'appelle Macaroni ou je sais pas quoi, là, et c'est bon. Macaroni, mais en plus, Macaroni, ça finit par Oni, quoi. Donc, c'est fait pour qu'il y en ait un qui se nomme Macaroni. Pourquoi ils ont pas fait ce jeu de mots? Parce qu'ils font des jeux de mots un petit peu mieux que les miens, effectivement. Je suis d'accord. Ouais, mes jeux de mots sont un petit peu pourris. Non, comment je vais faire là? Alors là, lui, on peut le charger, je pense. Il y a moyen. Il est chargé. Non, il est pas chargé. Ah, dommage. Allez, les slurpans. Non, même pas de slurpans. Ah, sérieusement. Ça me dégoûte quand ça arrive pas à avoir des slurpans comme ça. Ok, vas-y. Bon, par contre, on a eu deux fois Shogunian, donc ça, c'est bien aussi. C'est pas le mieux, mais c'est bien aussi. Ok, taille 10 sera pas suffisant. Bah, ok, ça l'a pas détruit. Ouais, c'est pas suffisant, malheureusement. Ah, mince! Ah, on arrive à charger le Slurpan quand c'est déjà terminé. C'est dommage. C'est dommage. On a notre petit curry, super. Ouais. Mais si on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la fin avant cette vidéo, je pense que je ferai quelques essais du Bingo Kai à la fin. Parce que là, on va arriver niveau 2, niveau 9. On va voir à combien on en est quand on arrivera à niveau 10, en fait. Oh, Pitou. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Pitou. Oh, puis Lulugubre et Jojo Joyeux. Allez, parfait. Ouais, les sirops quand même, même si c'est pas suffisant, taille 4 ou 5, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Taille 11, ah c'est bon là, taille 13, voilà, parce que c'est taille 13 qu'il faut que Slurpan soit pour que ce soit chargé. Je crois qu'il y a certains yokai, par exemple, qui ont besoin de moins pour charger leurs âmes ultimes, mais lui, en tout cas, c'est ce dont il a besoin. Hein. Slurpan. Ok, on est taille 11, ah c'est nul. C'est nul, taille 11, allez, allez. Parfait, parfait, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Bah écoutez, je pense que c'est bon, là, on l'a... Ah, c'est bon, Vampiric, c'est bon, il est chargé. C'est tout ce que je voulais. Oh là là, c'est nul. On a eu qu'un seul Slurpan, là. Il m'en faut plus. Ouais, ça, vas-y, vas-y.
Non mais franchement, jamais je remercierai assez la personne qui m'a dit dans les commentaires d'essayer d'avoir... Enfin, de mettre Siro dans mon équipe. Vous êtes vraiment incroyable. Oh. Oui, c'est bon. C'était de bonne taille. Alors là, en plus, je vais pouvoir réutiliser des mophages. Oh là là, mais c'est pété, les amis. Là, on va faire combien? Bon, peut-être pas tant que ça, finalement. Mais regardez, j'avais nettoyé l'écran. Il n'y avait plus rien du tout. Ah! Presque 100 000. Mais pas assez. Juste presque. On est à deux doigts des 100 000, quoi. Mais c'était pas suffisant. Dommage. Bon, 300 pièces. Merci. On arrive au niveau 18-10. Donc c'est parti, les amis, avec Lulutin. Lulutin perfide. Mais je pense qu'à la fin de l'épisode, on peut jouer une fois au Bingo Kai chanceux. Une fois, hein, pas plus, les amis. N'en demandez pas plus, ça suffit. Comme il va bientôt y avoir un épisode spécial Bingo Kai, je dois me retenir sur mon nombre d'essais. Ah, c'est bon, là, il va charger. Enfin, parfait, il va charger. Oulala. Alors ça, avoir autant de démophages côte à côte, ça fait plaisir aussi. Là, ça va réussir à le charger, démophage, je pense. Il y a moyen, quand même. Eh ben oui, c'est bon, démophage est chargé. Là, on est taille 16. Oh là là, c'est pété. Allez, vas-y. Par contre, il y a trop de sirop. Ça m'énerve qu'il y ait autant de sirop. On veut pas autant de sirop, ça sert à rien. On a eu qu'un seul surpoint encore. On passe dans nos faces, quand même, un peu malchanceuse, hein, j'ai l'impression, là. Allez, ah, ça y est, je le reprends. J'aurais bien voulu le grossir, malheureusement. Oulala, là là. Attendez. Non, c'est pas suffisant. Et là, ça va être suffisant, mais c'est trop tard. C'était suffisant, mais c'était trop tard. Mince. Oh, je redeviens ami avec Roupillon. Ah, Roupillon, c'est l'évolution ou pas? Non, c'est lui. C'est lui, Roupillon. C'est lui. Donc je suis ami combien de fois? Plein de fois. Il va bientôt passer en 7 aussi d'âme ultime. Enfin non, pas bientôt, mais il arrivera un jour. Bon, c'est niveau 11, donc il en reste quand même 9. Donc on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au boss dans cette vidéo. Donc écoutez les amis, on va aller jouer une fois au Bingo Kai quand même. Au Bingo Kai chanceux, parce qu'on a beaucoup de pièces, donc pourquoi pas. Allons-y. Allez, 4500, ça coûte trop cher, ils abusent sur le prix. Ils abusent. Croisons les doigts, laissez-moi des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Laissez des trèfles dans les commentaires. Allez, les amis. 3, 2, 1, top. Ah, oh, non. C'est pas ouf, finalement. Ouais, d'accord, ok, miroir. Bon. C'est pas grave. On sait que j'ai pas énormément de chance, donc tant pis, c'est pas grave. Ah, mais dans le prochain épisode, on pourra peut-être y jouer deux fois. Ah non, ce sera peut-être pas chargé au prochain coup. J'en sais rien. Bon, on verra bien. Là, j'en suis où de mes missions? Qu'est-ce que j'ai réussi à avoir? Oh, bah, cette mission-là, d'accord. Pourquoi pas. Et puis là... Oh, on y est bientôt, là. Les 2000, pas bientôt. Bon, en tout cas, les 1950, on y est bientôt. Ça, c'est cool. Oh, mais... Oh là là, plus que 2 yokai pour avoir un nouveau secret d'âme. Bon, me connecter 200 jours, oui. Bah, il reste 12 jours. C'est pas impossible. Hein. Ça arrivera. Ça arrivera dans 2 semaines. Soit je n'y arriverai jamais. Hein. C'est impossible. Ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Bon, bah écoutez, les amis, on va rester là pour cette vidéo de Yo-Kai Watch Weeble Wobble. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut !